des opères, Jésus est vainqueur. Prêchons sur le thème posséder des territoires. We are preaching on the theme possessing territories. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir. And I would like to tell someone tonight. Il n'y a pas de bénédiction de Dieu. There is no blessing from God. Sans lieu de bénédiction. Without ground of blessing. Une bénédiction de Dieu dans ta vie. A blessing of God in your life. Peut être possible dans un lieu et impossible dans un autre. Can be possible in a place and be impossible in another one. Une grâce de Dieu activée dans ta vie. A grace of God activated in your life. Peut se manifester dans un lieu et ne pas se manifester dans un autre lieu. Can be shown in a place and be unshown in another place. Généralement, la gloire de Dieu dans la vie des personnes. Generally, the glory of God in life of people. Éclate en fonction du lieu où ces personnes se trouvent. Shows according to the place where the people are found. Tu peux avoir une forte grâce, you can have a great une grace, forte étoile, a great star, mais tant que tu n'es pas arrivé dans le lieu de ta bénédiction, but as long as you have not gotten to the place cette of étoile your place, ne sera pas visible. That star will not be visible. Ce potentiel ne sera pas visible. That potential will not be visible. On voit par exemple certains footballeurs. We see, for example, some footballers. Tant qu'ils ne sont pas allés là où ils doivent briller. As long as they have not gone to where they must shine. Là où ils sont, même s'ils ont le talent, ils ne brilleront pas. Where they are, even if they are talented, they will not shine. Chaque grâce se déploie. Every grace is being shown. En fonction du lieu où la personne qui a la grâce se trouve. According to the place where the person with the grace is found. Ce sera dans un
sacrilège de continuer à prier pour la bénédiction, prier pour le mariage, prier pour le succès, prier pour que les affaires explosent sans découvrir le lieu où ça doit exploser. Ce n'est pas parce qu'actuellement tu as un travail que c'est là ton lieu de bénédiction. Ce n'est pas parce qu'actuellement tu as l'impression que ça donne que c'est là ton lieu de bénédiction. La question donc que je te pose ce soir, puisque lieu de bénédiction égale à terre promise, puisque lieu de bénédiction égale à terre promise, où se trouve donc ton lieu de bénédiction? Je commence par dire aux chrétiens que la promesse du salut, ce que nous obtenons en Jésus-Christ, c'est numéro un la vie éternelle, le salut, mais numéro deux l'épanouissement sur la terre, la belle et la bonne vie sur la terre. Good life on earth. Mais il faut qu'on soit d'abord clair sur certaines choses. So we must be clear on accepter something. Jésus ne donne pas que le salut. Accepting Jesus does not give us only salvation. Accepter Jésus ne donne pas que la vie éternelle. Accepting Jesus does not give us only eternal life. Accepter Jésus donne aussi le succès, la réussite sur la terre. Accepting Jesus also brings us success on earth. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. Alors, la question que je pose ce soir, so the question I ask you tonight, où se trouve donc ton lieu de bénédiction? Where is found your ground of blessing? Le lieu de bénédiction n'est pas simplement un pays. Place of blessing is not only a country. Mais c'est un endroit précis dans lequel tu vis ta vraie vie. It's a precise place where you live your true life. C'est un travail dans lequel tu épanouis. It's a job site where you are happy. C'est un foyer dans lequel tu es heureuse. It's a marriage where you are happy. C'est une maison dans laquelle tu es à l'aise. It's a house where you are happy. Il y a plusieurs personnes qui actuellement survivent mais ne vivent pas. There are many people that survive but they are not living. Il y a plusieurs personnes actuellement qui ne sont même pas heureux. That are not even happy. La Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. The Bible says it's the blessing of the Lord that makes. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. And is followed by no sorrow. Le problème de plusieurs personnes, the problem of many people, c'est que nous parfois nous suivons le mouvement du vent. It's because we follow the movement of the dès wind. Que tu apprends que ça donne du côté de l'Afrique du Sud, tu pars aussi. When you hear that it's giving other side, you go dès que tu apprends que ça donne du côté de la France, tu essaies aussi. When you hear that it's given in France, you also go and try. Dès que tu apprends que ça donne du côté des engins, tu peux aussi acheter les engins. When you hear that it's working in this business, you also go and try. Dès que tu apprends que ça donne du côté de tel concours, tu peux aussi essayer le concours. When you hear that this business is going on, you also go and try. La première chose qu'un enfant de Dieu doit faire, the first thing a child of God pour connaître son lieu de bénédiction, to know his place of blessing, c'est d'écouter Dieu. Is to listen to God. Pour connaître ton lieu de bénédiction, to know your place of blessing, il faut écouter Dieu. You must listen to et God. Tu ne peux pas écouter Dieu si tu n'as pas une relation avec Dieu. And you cannot listen to God if you don't have a relationship with God. C'est la chose la plus difficile pour les chrétiens. It is the most difficult thing for Christians. Se battre pour avoir une relation avec le Seigneur. Struggle to have a relationship with the Lord. Tout le monde veut écouter la voix de Dieu. Everybody wants to listen to the voice of God. Mais en passant par la relation des autres. But passing through the other people's relationship. Que le prophète, le pasteur, the prophet, the pastor, a une relation avec Dieu. Has a relationship et tu vas écouter ce que Dieu te dit par le prophète. And you want to listen to what God tells you through le prophète peut te dire the prophet can tell you quelque chose something venant de Dieu. Coming from mais God. Ce qu'il te dit but what he tells n'est pas réellement ça. It's not actually parce que ce that. Que tu dois savoir, because what you Dieu must peut know, montrer quelque chose au prophète. God can show something to the prophet. Et ce que le prophète te dit, c'est l'interprétation de ce que Dieu l'a montré. And what the prophet tells you, je fais la différence entre ce que Dieu dit et l'interprétation de ce que Dieu a dit. I make a difference between what God says and interpretation of what God says. Généralement, nous voyons des images. Generally, we see images. Nous avons des flashs. We have flash. Nous avons des perceptions. We perceive. Nous avons les impressions. We have impressions. Et ce sont les impressions que nous interprétons. And those impressions that we interpret. En réalité, in reality, pour que ce que Dieu dit soit parfait dans nos vies, for what God has said to be perfect in il our faut life, que ce que l'homme de Dieu te dit it means that what the man rencontre ce que Dieu t'a dit à toi. Un chrétien normal, un chrétien mature, doit être capable d'écouter la voix de Dieu venant de la parole de Dieu, la voix de Dieu venant de Dieu et la voix de Dieu
venant de l'homme de Dieu. Coming from the man of God. Je répète, I repeat, un chrétien mature, a mature Christian doit être capable must be able d'écouter Dieu to listen to God, venant de la parole, coming from the word, en la méditant, while meditating, en la lisant, while reading it, en l'étudiant. While studying un chrétien mature, a mature Christian, numéro 2, doit être capable d'écouter Dieu must be able to listen venant to God, de Dieu lui-même, from God himself, venant de l'Esprit de Dieu, from the Spirit of venant God, de la voix de Dieu. God, numéro 3, three, un chrétien mature doit être capable d'écouter Dieu venant God, de l'homme de Dieu. From the man of donc God, numéro 1, la parole. Word, numéro 2, two, l'Esprit. Spirit, numéro 3, three, l'homme. Mais God, toi, you, tu cherches le voyant, le prophète, qui va te dire, Dieu me montre que ça c'est ton mari. Dieu me montre que ça c'est ta femme. Dieu me montre que tu vas aller au Canada, tu vas aller en France. Et si son interprétation n'était pas vraie, beaucoup ont échoué parce qu'ils se sont mariés selon la révélation de l'homme de Dieu. Parce qu'ils sont allés faire les affaires selon la révélation de l'homme de Dieu. À quel moment, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu te parle? Je t'ai donné trois choses, trois canaux par lesquels tu dois écouter la voix de Dieu, où Dieu te dit quel est ton lieu de bénédiction. Si tu te trompes, la parole ne va pas se tromper. Si le prophète se trompe, l'Esprit de Dieu ne va pas se tromper. Tu sais quand même que Samuel s'est trompé. You know that Samuel misunderstood. Donc si le prophète majeur Samuel, if the major prophet Samuel s'est trompé misunderstood, lorsqu'il devait oindre le roi, when he had to anoint, ce n'est pas ton pasteur qui ne peut pas se tromper. It is not your pastor that mais pour éviter des erreurs en ce qui concerne ta destinée, mistakes what concerning il faut que tu grandisses. You must grow up. Il faut que tu mûrisses. You must be right. Et ce n'est possible que and it is possible si tu as une relation avec Dieu. If you have a relationship with j'ouvre une parenthèse. I open a bracket. Les veillées de prière qu'on fait ici, prayer night with ce n'est pas seulement pour prier pour l'église. It's not only to pray for mais the c'est church, aussi pour vous entraîner à la prière. But it also to make you pray. L'un des moyens efficaces par lequel Dieu passe pour nous parler, c'est la prière. One of the efficient ways God passed through to talk to us is prayer. Les chrétiens ne prient plus. Christians don't pray anymore. Tu pries juste le temps, on va claquer les mains pour trois sujets tout à l'heure. You pray only for few minutes. Chez toi, tu ne pries pas. In your house, you don't si pray. Oui, if yes, quand tu as les problèmes, when you have problems, c'est un mauvais signe. But it's a bad sign. Si la prière n'est qu'un moyen de résolution de problèmes, of resolution of problems, la prière est un canal, prayer is a way de connexion, of connection entre toi et Dieu. Between you and tu God, parles à Dieu, you speak to Dieu God, t'écoute, God listens Dieu to te you, parle, tu l'écoutes. You, tu ne peux pas évoluer spirituellement you cannot evolve spiritually si tu n'es pas dans une connexion réelle, if you're not in a real connection, dans une connexion réelle in a real connection entre toi between you et un esprit supérieur. And a superior spirit. Pour les autres, for c'est the le others, diable, ce sont les démons. Demon. Pour nous, us, c'est le Seigneur. The Holy Ghost. Tu vis ta vie comme un animal. You live your life like an animal. De lundi à dimanche, Monday, tu ne peux pas me dire, you cannot même si c'est là, même si tu t'es trompé, even if you mistaken tu n'arrives pas à me dire Dieu m'a dit. You cannot say God je peux comprendre qu'au début, I understand that in the beginning, tu ne reconnais pas réellement la voix de Dieu. You don't actually recognize the voice mais avec of God, le temps et l'appui des hommes de Dieu, and the presence of tu dois être capable you should be able de dire Dieu m'a dit to say God told pour me, ta vie, pas pour les gens. Le Dieu m'a dit, Dieu m'a montré que tu t'es marié, Dieu m'a montré que tu es mort. Ça, c'est la divination. Dieu ne t'a jamais parlé de toi God never spoke to pour you que ta vie réussisse yourself, mais tu passes le temps à voir les visions sur les gens. But you spend your time having visions of j'ouvre people. La parenthèse dans la parenthèse. I open the bracket in the bracket. J'ouvre la parenthèse dans la parenthèse. I open the bracket in the bracket. Toute personne dans l'église every person in the church qui aime accoster les gens Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, mais la personne là, sa vie n'a pas de sens. A un esprit de python. Toute personne dans l'église qui aime dire aux gens, Dieu m'a dit, j'ai vu, j'étais vu en rêve. Dieu m'a montré, mais depuis que Dieu lui parle à elle ou à lui, God speaks to him sa vie n'a pas changé. His life has not a changed. Besoin de délivrance. He needs deliverance.
Dieu doit commencer à te parler à toi pour ta vie. God must start talking to you for your life. Moïse n'a pas commencé à conduire le peuple. Moses did not start leading Moïse the people. A rencontré Dieu. Moses met et God. Dieu lui a parlé de sa vie. And God spoke to him about his life. C'est un mauvais démon. It's a very evil que d'être conduit par Dieu to be led by God sur la vie des gens over the life alors of people. Que Dieu ne t'a pas conduit sur ta propre vie. Tu peux me dire à quel niveau se trouve ta vie? Can you tell me which level is ta vie life? De famille à quel niveau? How come is your family? Ta vie financière à quel niveau? How is your financial ta vie spirituelle à quel niveau? How is your spiritual life? On retrouve dans les églises church, des prophétesses de pitons, of snakes, pas parce qu'elles veulent, not because c'est want, qu'on les a pas délivrées. Is that they have not been delivered. Faites attention, be very careful. L'esprit de piton dit parfois les réalités. The spirit of snakes sometimes says dans the truth. Actes chapitre 16, in Acts chapter 16, la Bible dit the Bible says, au verset 16, verse 16, pendant qu'on allait au lieu de prière, as they were going to the place of prayer, Paul et Silas et les autres Paul and Silas ont rencontré une servante met a servant, et elle a commencé à prophétiser. And she started prophesying. Ceux-ci sont les serviteurs de Dieu. Those are the servants of God. Je pose la question. I question myself, est-ce qu'elle mentait? Was she lying? N'était-il pas les serviteurs de were Dieu? Not servants of God? Mais elle était habitée d'un esprit de python. But she was by the spirit donc, quelqu'un of dans l'église someone in the church peut voir quelque chose de vrai. Can see something that mais is la personne true. N'est même pas encore délivrée. But that person is not yet delivered. La voix de Dieu the voice of s'adresse God à toi comes to you d'abord pour toi. For yourself first. Quand Dieu te parle même d'un frère, when God speaks to you even about quand a brother, Dieu te parle même d'une sœur, when God speaks to you even about a sister, va dire au pasteur. Go and tell the pastor. Un chrétien n'a pas l'autorisation a Christian is not authorized d'aller dire à un autre chrétien ce qu'il a vu. To tell another Christian what c'est he saw. Interdit. It is prohibited. Si tu vois quelque chose if you see something sur un frère, on a brother, ce que tu as vu est une interprétation. What you have seen is an interpretation. Et une mauvaise interprétation peut tuer quelqu'un. And an evil interpretation can kill someone. Je t'ai vu dans un accident. I saw you in an ça accident. Peut vouloir dire plusieurs choses. It could mean many things. Il prépare un accident contre toi. Maybe they prepare an accident. Dieu a déjà déjoué l'accident. God has already l'accident est déjà scellé. Comment tu fais pour connaître? Plusieurs ont l'esprit ouvert. Many have the open spirit. Ils peuvent voir dans l'esprit ce que les démons font. They can see in the spirit what demons mais ils do. Ne sont pas des serviteurs de Dieu. But they are not servants of God. Tu veux connaître où se trouve ta terre promise, you want to know where your promised land is found, ton lieu de bénédiction, your place of blessing, il te faut écouter Dieu you must listen to God pour toi-même. For yourself. Amen. Ça, là, même si tu fais 10 ans sur place, even if you do 10 tant que tu n'apprends pas à écouter Dieu, as long as you don't learn how to listen to God, le reste the others n'est pas plus important. Are not more important. Samuel, Samuel est né. Was born. Sa mère Anne his mother l'a renvoyé au temple. Brought him back to the temple. Du jour où il est entré dans le temple jusqu'à ce qu'il commence son ministère. From the day he entered the temple to when he started his ministry. Samuel avait un seul problème. Samuel had one problem. On écoute Dieu comment? How do they listen to God? Tu peux être ancien d'église, tu n'as jamais écouté Dieu. You can be elder in church and you have never listened tu to peux God. Avoir écouté Dieu, mais tu n'as pas discerné que c'était Dieu. You might have listened and you have not known that it is tu God. Peux être pasteur, mais tu ne sais pas comment on écoute Dieu. You can be a pastor, but you don't know how to listen c'est en to écoutant God. Dieu it is why listening que Dieu to nous God conduit that God leads où us se trouve notre lieu where our place de bénédiction. Place. Une parenthèse. Another bracket. Après avoir fermé l'autre parenthèse sur la voix de Dieu. Une parenthèse. A bracket. Une parenthèse. A bracket. Quand tu n'as pas écouté Dieu when you have not listened to God, et que tu vas quelque part and you go to somewhere, et que tu as l'impression que ça marche and you feel that everything is going all right, la fin peut être tragique. The end can be disastrous. La Bible dit the Bible says, dans Genèse 11, in Genesis 11 généalogie de après on arrive à Térakh. Quand on arrive à Térakh, le père d'Abraham, when we get to Terah, the father il enfanta Abraham, trois fils. He gave birth to three sons, les frères d'Abraham the brothers of Abraham et Abraham. And Abraham. Et pendant qu'il enfante ses fils, and as he gave birth to those sons, le père de l'autre meurt. The father of Lot dies. Et quand le père de l'autre meurt, and when the father of Lot dies, Térakh récupère Lot. Terah took Lot. Abraham et les autres. Abraham and the others. Ils vont à
Charan. And they went to Charan. Sans demander l'autorisation de Dieu. Without asking God's authorization. Je veux dire, ils vont à Canaan. They went to Canaan. Le père d'Abraham veut aller à Canaan sans demander l'autorisation de Dieu. Abraham's father wanted to go to Canaan without asking the authorization. Canaan est le lieu où Dieu devait les bénir. Canaan was the place where God was to. Mais sans autorisation. But without authorization. Il est mort en route. Le mariage là, c'est ton mariage. The marriage is your marriage. C'est ta femme. It's your wife. C'est ton mari. It's your husband. C'est ton terrain où tu dois construire. It's your place where Mais you sans la vie de Dieu, But without the tu peux of mourir. God, you will die. Ta terre de bénédiction your ground of blessing peut se transformer en terre de malédiction can be transformed into ground si of tu y curse. Vas If you go, sans l'aval, la the permission, the le OK de Dieu. Of God. À aucun moment. At no moment, Terak a dit Terak said, la voix de l'Éternel me fit adresser the voice of the Lord came et Dieu me dit d'aller à Canaan. And God told me to Pourquoi Canaan, why? Chaque fois que Dieu t'envoie quelque part Every time God sent you il sait somewhere, que sur le chemin il y aura des ennemis he knows that on the way, il te prépare avant he prepares you before. Terak s'est levé Terak got pour aller à Canaan, to go to Canaan sans que Dieu ne l'ait parlé without God il ressentait le en lui he felt comme un sixième sens like a seed feeling, que c'est là-bas que moi et mes enfants on doit s'établir that it is there where me and my children mais Dieu ne lui a rien dit but God did not tell him anything. Il est mort en route he died on the way. Nous lisons verset 31 Genèse chapitre 11 oui Terak prit Abraham son fils Dieu lui a dit ça quand when did God tell him that et Lot fils d'Aaron un peu Tu as appris tes enfants, tu veux les amener vivre à Douala. Est-ce que tu as consulté Dieu Have you consulted dans sa parole, in his word, par son esprit by his spirit, et par son serviteur and by his servant, homme d'affaires. Man of Je sais que tu as le flair des affaires, mais quand tu deviens spirituel, apprends à consulter Dieu. When you become spiritual, learn how to Même si tu as 30 ans dans les affaires, even if you have 30 quand tu deviens spirituel, when you become spiritual, soit tu vas chez un marabout, either you go to a witch soit tu vas à l'église. Either you go to church. Mais le marabout va consulter les esprits. Et les esprits qui va consulter, un jour va te réclamer ton âme. One day will claim your soul. Donc ça, je te le dis en passant. I'll tell you that Nous avons un ami avocat international. Cet ami n'aime pas l'église. Mais lui, il a deux voyantes. Avant d'aller faire une affaire, il consulte d'abord l'une de ses voyantes. Écoute-moi très bien. Sur cette terre, il n'y a personne. There is nobody, je dis personne. Nobody, consciemment ou inconsciemment. Consciously or unconsciously, qui peut s'en sortir dans la gloire that can make it in glory, sans consulter les esprits. Without consulting. Je dis personne. I say no one. Les présidents ont des magiciens qu'ils consultent. Presidents have magicians that they consult. D'autres ont des prophètes qu'ils consultent. Others have prophets that they consult. Si tu ne consultes personne, if you don't consult anyone, à un moment tu seras coincé. At the moment you shall be blocked. J'ai écouté un documentaire un jour. I was listening to a documentary. On te dit que soit François Mitterrand, soit Jacques Chirac, il avait sa magicienne qui consultait avant même de sortir du bureau de la maison. Avant de sortir de la maison, il consulte la magicienne Jacques Chirac pour savoir comment la journée sera. Parmi les gens qu'il va recevoir, il y a combien de personnes qui sont bizarres. Qu'est-ce qu'ils ont sur eux? Mais toi, tu aspires à la gloire, à la grandeur, mais tu n'es connecté à aucun esprit. Et tu crois que la vie, c'est j'ai fait ma petite prière, j'ai fait mon notre Père, j'ai fait mon je vous salue Marie, et ça me va. Mais tu vas mourir. Ceux qui viennent te rencontrer ont reçu l'aval des esprits, l'autorisation des esprits, l'onction des esprits. Et si un esprit ne t'a pas établi, ne t'a pas préparé, on va te tuer. Terak, tu aimes ta famille, mais qui t'a envoyé? But who sent you? Je vous ai parlé de monsieur qu'on appelait Elimelech. I spoke to you about a man called Elimelech. Le beau-père de Ruth. Father-in-law of Ruth. Il y a la famine à Bethléem. There is hunger in Bethlehem. Il part seulement avec sa femme, ses fils, ses deux belles-filles, sans consulter Dieu. He just goes away with his family without consulting Joseph God. A Marie et son fils. Joseph had Mary and his son. C'est Dieu par un ange. It is God by an angel qui vient dire à Joseph. That told Joseph. Nuitamment. In the night. Prends le petit et sa mère.
take the little one and his aller mother, en Égypte, go to Egypt, jusqu'à ce que Hérode meure. Until when Herod dies. Beaucoup meurent dans des lieux, many die in places, parce que quand Dieu voulait les parler, because when God dans would la nuit, to them in the ils night, étaient en voie de nuit. Mm. Généralement, quand Dieu veut te faire échapper un piège, generally, when God wants to make you escape, c'est dans la nuit qu'il te parle. It is in the night that mais dans la nuit, you, but in the night, tu es dans la distraction. You are distracted. C'est dans la nuit it is in the que Dieu a dit à Moïse, that God told prends Moses, le peuple, take the people, levez-vous, sortez de l'Égypte dans la nuit. In the night. Si Joseph n'écoutait pas Dieu, if Joseph did not listen to God, Hérode tuait Jésus. Herod could kill Jesus. C'est qu'on ne parle pas de ce qu'on parle aujourd'hui. It means we are not talking about what we are talking. Il y a des now. Enfants qui meurent. There are children who il y a des die. Projets qui meurent. There are projects il y a des die. Étoiles qui meurent. There are stars parce die. Que quand Dieu veut nous parler, because when God wants on est distrait. Us, we are distracted. Homme politique, politician man, cadre d'entreprise, business, chef de famille, family leader, avant de partir, before going, tu as reçu l'aval de Dieu. Have you received the okay from God? Ce n'est pas l'opportunité, it's not the opportunity, qui détermine l'élévation. That determines the il y a des opportunités, there are some opportunities, qui peuvent déterminer, that can determine ta fin, your end. Toutes les opportunités en face de toi ne viennent pas de Dieu. All opportunities towards you don't come from God. Telle une voie paraît bonne aux yeux des hommes, mais son issue mène à la mort. A way can seem good. Et je te pose la question, Monsieur Terak. I question you, Mr. Terak. Qui t'a envoyé à Canaan? Who sent you to Canaan? Qui t'a équipé pour y aller? Who equipped you to go there? Il y a beaucoup qui sont en France aujourd'hui. There are many who are in France today. Ils n'ont pas été équipés. They have not been equipped. Ils sont au Canada. They're in Canada. Ils n'ont pas été où? They have not been anointed. Vous êtes en mariage. You are going to marry. Vous n'avez pas été préparé. You have not been prepared. Tu connais les esprits de ta belle famille. You know the spirit of your qui t'a préparé? Who prepared you? Le travail où tu es là. The job where you are. Le poste qu'on t'a donné. The post that you qui were t'a given. Préparé pour l'occuper? Who prepared you to occupy that place? Combien meurent deux mois après la nomination? How many die 2 months after the combien meurent how many die 6 mois après l'élévation? 6 months after the parce qu'on t'a nommé because you were nominated sans te donner le pouvoir du poste. Without giving the power of the post. Le pouvoir ne se prend pas n'importe comment. Power is not taken anyhow. On doit te donner. We must give you. Vous pensez que c'est le hasard? Toi, tu vis comment? How do you tu arrives dans une entreprise, an personne ne t'a établi, nobody has established et c'est toi you. Qu'on choisit pour être le DAF, and they choose you to gérer be... les milliards, et aucun esprit ne te reconnaît, tu es mort. Quel qu'en soit le temps que ça va faire, no matter the time you take, si on ne t'équipe pas, if you are not equipped, on va te terrasser, you shall be removed away. On va te terrasser, you shall be removed tu away. Veux que je te choque, you want me to shock Dieu you? Construit le jardin. God built the garden. Dieu bâtit le jardin. God built the garden. Adam n'entre pas au jardin pour faire ce qu'il veut. C'est Dieu qui le prend et le place. Adam did not enter the garden anyhow. It's God that took him. Adam ne pouvait pas aller commander un animal. Adam could not go and command. Commander un arbre. Command a tree. Si Dieu ne l'avait pas placé. If God Genèse 2 verset 15. La Bible dit, après avoir fait les cieux et la terre, Dieu prit l'homme. God took et alla le placer. And placed him. Il dit, place-toi ici. He said, stand there. C'est moi Dieu. I am God. Et un homme de Dieu disait, and a man of God Dieu said, n'a même pas seulement placé l'homme. God did not know the place mais Dieu there, a aussi planté l'homme. But God also planted man. Si tu veux gérer les arbres, if you want to il faut aussi que tu sois un arbre. You yes. need to be a tree. Si tu veux gérer les baobabs, tu dois tree. Être un palmier. Si tu veux gérer les costauds, tu dois être un puissant. Yes. Tu arrives quelque part, les gens sont dans les fétiches, les pratiques. Toi, tu es là avec le chapelet. On va te terrasser. Les gens sont bizarres. People les gens like sont this. Violents dans les pratiques. Et toi, tu es là avec le Nouveau Testament. On va te manger. Qui t'a placé? Tu as vu ça? Genèse 2, verset 15, il est écrit. Il est écrit. L'Éternel Dieu prit l'homme. Il prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Et le planta. Toi qui t'as planté là où tu es là. Ah, je suis belle. C'est parce que je suis belle que je suis là-bas. On va te manger, ma fille. Je suis le plus intelligent. C'est pour ça que je suis l'adjoint du boss. On va te manger. Ils sont nombreux qui m'écoutent à la maison. There are many that listen to me in the house. On t'a mis
The place too. Parce que tu es intelligent. Because you are intelligent. On ne t'a pas placé. But they did not on ne t'a pas planté. On va te terrasser. You shall be removed. Yes. On t'a placé the place parce too, que tu es belle. Mais sans être planté, on va te dégager. They shall be removed from there. Je m'adresse à ceux qui aspirent à la gloire. I talk to those who aspire glory. Je m'adresse à ceux qui aspirent à la grandeur. I talk to those who aspire je prêche greatness. Pour ceux qui aspirent à l'onction. I preach for those who aspire je prêche pour ceux qui aspirent à la richesse. I preach for those who aspire riches. Ces quatre domaines-là those four domains ne peuvent y accéder only que si tu es préparé. Only if you're prepared. Mes prédications ne s'adressent pas aux gens qui sont nés pauvres qui veulent finir pauvres. Je parle à ceux qui aiment la gloire. Parce que ton étoile, c'est la gloire. Je parle à ceux qui vivent, doivent vivre la grandeur. L'onction, la richesse, ce n'est pas pour les enfants. It's not for children. C'est Dieu. It is God. Il n'y a pas encore le péché. There was not yet il n'y a pas encore Satan there was not yet pour déranger le jardin. Mais Dieu sait. Si Adam part de lui-même, sans que moi je le place, ils vont le fatiguer. Yes. Il n'y a pas encore péché, mais Dieu dit à l'homme, domine. Ah, sans péché, on domine pourquoi? Pourquoi on n'a pas été égaux? Écoute-moi très bien. Partout Dieu te place. Everywhere God places si tu you, ne domines pas, on va te dominer. If you don't dominate, people will dominate you. Tu peux être poli. You can be polite. Sympa. Aimable, mais spirituellement, tu dois dominer. You must dominate. J'ai pas dit, dominer, c'est pas être mal éduqué. Dominer, c'est pas être mal élevé. Dominate is not being bad educated. Dominer, c'est l'autorité. Dominate is c'est-à-dire quand tu arrives, when you get au nom du Seigneur, in the name of les the gens Lord, s'embrouillent. People get confused. Les gens se dérangent entre eux. People get disturbed. N'importe quel Goliath vient maudit qui veut. Mais quand tu viens avec l'autorité, but when you come with authority, indépendamment de ta taille ou de ton âge, independently of your, indépendamment de ton compte bancaire ou de ton poste, independently of your bank account, ta présence amène l'ordre. Your presence brings order. Ta présence restaure l'ordre. Your presence brings order. C'est Dieu qui place Adam. It is God that placed Adam. Parce que Dieu avait été l'esprit de l'autorité. Because God had the spirit c'était l'esprit of authority. Qui donnait l'autorité. It was the spirit that gave authority. Terak. Qui t'a amené? Qui t'a dit de partir à Canaan? Who told you to go to Canaan? Qui t'a dit de partir à Canaan? Who told you to go to Canaan? Parce que tu es juste intelligent. Because you're just intelligent. Qui t'a dit de partir à Canaan? Who told you to go to Canaan? Parce que tu es juste beau. Because you're just beautiful. Qui t'a dit de partir à Canaan? Who told you to go to Canaan? Parce que tu es juste intellectuel. Because you're just intellectual. Qui t'a envoyé là-bas? Who sent you there? Qui t'a équipé? Who equipped you? Avant de partir. Before going. Ils sont nombreux à l'église. There are many in church. Plusieurs propositions. Many proposals. Vous allez partir. You go. Sans voir le pasteur. Without seeing the pastor. Et quand vous allez mourir. And when you die. On va accuser le diable. They'll accuse. J'ai raconté l'histoire ici. I said a story here. Un jour, une soeur vient me voir. One day, sister came to see elle me dit qu'elle avait fait le sacrifice parce qu'elle part. And she wants to make a sacrifice because je dis, tu pars où? I said, where are you going elle me dit, papa, je pars. She said, I'm going. Je dis, tu pars où? I asked her where elle she me was dit qu'elle going part loin. She said, she's going far. Loin, c'est où? Far is where? Ah, je vais traverser. Et tu vas traverser quoi? Non, j'ai eu un réseau là. On va tracer par la Libye, le Niger, la Libye, le Maroc. Qui t'a envoyé? Et c'est comme ça qu'elle est partie. Elle a vendu son fonds de commerce. Elle avait un petit studio, soit salon de coiffure ou bien de parfumerie. Elle a vendu ça. Elle est partie. Quand elle est arrivée en Libye, on les a pris en otage. En fait, elle n'a pas passé les revenus. Mais elle est revenue malade. Elle est morte récemment. Et quand elle meurt, on accuse sa tante de l'avoir tuée. Il y a des endroits où vous partez. On ne vous tue pas. Mais on vous empoisonne. Quand vous allez revenir, c'est la mort. There are places you go to and you are poisoned there. Le poison langue dans ton corps peut te tuer après 6 ans. So poison your body can kill you after 6 years. Il y a des relations où vous entrez. There are some relationships where you enter. Sans autorisation de Dieu. Without the authorization of c'est God. C'est la mort. It is death. Tu n'as pas vu sur internet aujourd'hui qu'une jeune fille est montée dans la Prado d'un type. Et Vengusso, le type a garé, il est devenu le serpent pour l'avaler. Tu n'as pas vu ça? Ce n'est pas la blague. C'est mon camarade médecin à l'hôpital général qui l'a accueilli aux urgences, la jeune fille. Une petite fille.
C'est sûr que quand elle était en route et que le monsieur a garé, elle s'est rappelée de la parole du prophète de dimanche. C'est la semaine des opportunités. Voilà donc le serpent qui est venu comme opportunité. S'il n'y avait pas les motomanes, le serpent envalait l'enfant-ci. Je sais que tu es wise. I know you're wise. Je sais que tu es intelligente. I know you're intelligent. Je sais que tu es trop sage. I know you're very wise. Mais le déo aussi, il faut faire attention. Si on ne délivre pas la fille, si elle va mourir, tu as vu le serpent, tu vas seulement mourir. C'est une affaire d'heure. Son temps est compté. Si elle n'est pas dans une famille à l'onction, la petite fille s'y va mourir. Il y a ce qu'on appelle les zones interdites. There are places we call prohibited zones. Il y a une qualité de sataniste que tu le rencontres. There are some type of satanists that when mélange le chapelet, le sel béni, les aromates, l'huile d'onction, il va te manger. Qui t'a envoyé? Le courage du diable que vous avez, il faut faire attention. The courage of the devil you have, be careful. Comment accéder à sa terre? How to access to his earth? Comment accéder à son lieu de bénédiction? How to access to the places of that... Mais te préviens d'abord. But I Dieu doit d'abord te parler. God must first of all talk to you. Derek, est-ce que Dieu t'a parlé? Il a pris sa famille, il est parti. Derek prit Abraham son fils. Derek prit Abraham son fils. Et Lot fils d'Aran, fils de son fils, et Sarah sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Il y a des familles dans lesquelles there are families in which le papa, the father, un visionnaire, a visionary, pense pour tout le monde. Thinks for everyone. Premier fils et sa femme, je pense ça. Deuxième fils et sa femme, je veux ça. Troisième fils et sa femme, je veux ça. C'est bien. Mais quand ce papa n'a pas écouté Dieu, sa bonne motivation peut vous tuer. When that father has not listened to God, his good motivation can kill you. Je n'ai pas dit que le papa est méchant. I haven't said the father Je n'ai pas dit que le papa est sorcier. I haven't said the father Mais quand ce papa veut te conduire sur une bonne terre qui n'est pas ta terre, la terre là peut t'enterrer avant ton temps. Je reprends. I repeat. Quand ce papa when that father veut te conduire sur une bonne terre qui n'est pas ta terre, la terre là peut t'enterrer avant ton temps. Wants to lead you to a place that is not yours, that place can bury you before your time. C'est pour ça. It is why, même si vous avez l'argent, even if you have les relations, les opportunités, opportunity, questionnez Dieu. Question Amen. God. Yes. Tu as une place pour la police, mais tu ne sais pas que c'est par là qu'on va fusiller l'enfant si dans 3 ans. Pour les autres, on ne fusille pas. Hein. Tu as une place pour les miens, mais c'est par là qu'on va aller tuer l'enfant là. Oh non. Alors que les autres, on ne les tue pas. Ce n'est pas parce qu'il y a l'opportunité que ça vient de Dieu. It's not because it's an opportunity that it comes from God. Il y a quelque temps, il y a eu un séisme en Turquie. Et un footballeur, je crois, ghanéen est mort dans le séisme. Un Camerounais même aussi qui était sportif mais handicapé est mort. Donc une opportunité an opportunity non validée par Dieu not validated by God peut te tuer. Can kill you. Yes. Vous faites quoi dans les églises alors qu'on a l'argent? C'est voilà le discours. Vous faites quoi alors qu'on a l'argent? Vous pas faire quoi dans les églises alors qu'on a votre avenir tracé? C'est tracé par l'argent ou par Dieu? C'est trop bas. It is very c'est trop little réducteur. It is very que de penser qu'on a un avenir tracé parce qu'on a l'argent. To think that we have a future trace. C'est les sont les esprits qui montrent l'avenir, ce n'est pas l'argent. There are spirits that show the future, not money. Et les autres ont les démons, nous on a le Saint-Esprit. And others have demons, we have the Holy Spirit. L'avenir appartient à ceux qui lisent dans l'esprit. The future belongs to those that read in the spirit. C'est pour ça que depuis la Bible on parle des 10 heures de bonne aventure. That is why since the Bible we talk about seers. On parle des devins, des voyants. Ce n'est pas l'argent qui détermine la vie de quelqu'un.
It's not money that determines the life of someone. Je causais avec une personne qui m'a dit son frère était normal jusqu'à ce qu'on l'envoie continuer les études en Europe. Une fois en Europe, il est parti entrer dans les cercles, on a appris à fumer le banga et c'était parti. On n'a pas amené en Europe parce que c'était Dieu, mais parce qu'il y avait l'argent pour aller en Europe. Parce qu'on a l'argent, on met dans telle école. Because on met dans tel quartier. On met dans telle municité. Mais là-bas, il va rencontrer quelqu'un qui va l'initier. Il va devenir pédé. Tout dépend. Everything depends. Pas des moyens. Not on your means, mais de la révélation. But on revelation. Il y a des parents engagés. There are parents motivés. Motivated. Ils bossent pour leurs enfants. They boss for their children. Mais une seule question manque. But one question lacks. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Is it the will of God? Il y a des gens ici inconsciemment, Dieu vous a préservé en bloquant certaines portes. Some people here, God has preserved you by blocking some tu doors. Tu serais parti. You might have gone. Tu serais déjà mort. Il y a quelque temps, une soeur vient me voir un vendredi. Elle dit qu'elle ne me elle veut me voir avant le culte parce qu'elle part à l'ouest. Elle veut que je prie pour elle, pour voyager. J'ai traîné la sœur là jusqu'à ce que j'ai prié pour elle. Elle est partie aux agences vers Biscuiterie prendre le bus. Elle est arrivée, elle a payé son ticket, s'est assise et s'est endormie. Dès qu'elle se réveille, le bus est parti. Elle pleure son argent et même son sac est parti dans le bus. Mais le matin, le bus a fait l'accident, tout le monde est mort. Il y a des blocages que Dieu met sur votre chemin that God puts on your way pour vous sauver. To save you. Terak, Terah, qui t'a envoyé à Canaan? Who sent you to Canaan? Il se lève avec ses enfants. He got up with his children, et il part à Canaan. And they went to Canaan. Mais arrivé à Charan, but reaching Charan, il meurt. He died. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Pour aller à Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan. Dès qu'ils arrivent à Charan, et ils y habitaient. Il vient s'arrêter là parce qu'il n'a plus les ressources spirituelles, émotionnelles, mentales, psychologiques, matérielles, pour continuer le chemin. Continue the way. Et c'est à Charan que Terak est mort. And it's Charan that Terah et quand died. Terak meurt, and when Terah died, Dieu maintenant ne laisse pas Abraham comme ça. Yes. God now didn't leave Abraham like Dieu that. Dit maintenant lui-même, je vais aller dire à Abraham ce qu'il va faire. God yes. Said, I'll go and tell Abraham, Abraham n'est pas né de nouveau. Abraham is not born mais again. Dieu par pitié but God, by mercy, lui dit ce qu'il doit faire. Tells him what he should Cornel do. N'est pas né de nouveau. Mais Dieu par pitié vient lui parler. God, by mercy, tu n'as pas besoin d'être dans les églises, d'être ami avec les pasteurs. Mais Dieu doit te parler. God must talk to you. Ne fais rien cette année do nothing this year sans questionner Dieu. Without questioning God. Je t'ai présenté trois canaux. I presented you three ways. Sa parole, his word, son esprit, his spirit, son serviteur. And his servant. Dieu m'a dit, God told c'est me, mon mari. This is Dieu my m'a husband. Dit, God c'est ma femme. This is my wife. Prière, pray, méditation, meditate, révélation. Revelation. Quand tu as la confirmation, when you are confirmed, tu vois son serviteur. You go and see his servant. Dieu m'a dit, God c'est told la France, me, c'est la Belgique, Belgium, c'est le Canada. Canada. Prière, pray, méditation, meditate. Esprit de Dieu, serviteur de Dieu. Et tu t'engages. Dieu dit à Abraham, maintenant moi Dieu je te dis pars. Ce n'est plus comme ton père, je pars. Mais maintenant, quand Dieu te dit pas, when God tells you to go, c'est que tu pars avec Dieu. It means yes. You go with quand God. Dieu te dit vas-y, when God tells you go, tu ne pars pas seul. You don't go alone. Tu pars avec Dieu. You amen. God. Si là où tu es actuellement, if where you are presently, c'est Dieu qui veut que tu sois là-bas. It's God that wants you to et tu as l'impression d'être seul, and you feel that you're d'être alone, perdu to be lost. Aujourd'hui. On va encore l'invoquer. Yes. Il va te retrouver là où tu es. Amen. Il va te retrouver là où tu es. Amen. Quand Daniel when Daniel se retrouve en déportation à Babylone, found
himself in Babylonia. Daniel sait que Dieu est avec lui. Daniel knew that God was with him. Mais bizarrement, à cause des problèmes, but strangely because of problems, on les jette dans une fournaise ardente. They are thrown in a burning bush. Et Daniel est choqué que Dieu a permis qu'on soit ici. And Daniel is shocked that God permitted us to be here. On est maintenant dans la fournaise. Now we are in fire. Où est Dieu? Where is God? Il a dit à Dieu, écoute-moi. He told God, listen to me. Comme depuis le départ, tu es avec nous. From since the beginning, on a même supplié le nuque de nous donner à manger comme on veut. Il a accepté parce que tu étais là. Le lit sur lequel on dort, on a choisi parce qu'il a accepté parce que tu es avec nous. La façon de boire, de manger, de nous traiter, c'est parce que tu étais avec nous. Everything, on est dans la fournaise. We are in fire. Tu es où? Where are you? Il a dit, Seigneur, retrouve-nous. Et le Seigneur l'a retrouvé dans la fournaise. Quand Dieu te parle, tu pars à gauche, il est là. Tu pars à droite, il est là. Devant, il est là. Derrière, il est là. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que le Seigneur t'accompagne partout où tu seras. Je dis, le Seigneur t'accompagne partout où tu seras. Même si ta maman est décédée, ton papa t'a abandonné, mais je prie pour toi. Que le Seigneur marche avec toi. Amen. Que le Seigneur marche avec toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yes. On prend Daniel. We took Daniel. On le jette dans la fosse au lion. We throw him in the et Daniel pit. Dit. And we said, l'ange de l'Éternel est descendu fermer la bouche des lions. Donc Daniel descend, l'ange descend. Daniel goes down, the angel Daniel goes monte, down. Dieu monte. Daniel climbs up, God climbs. Pourquoi up? Tu as l'impression d'être seul là où tu es? Why do you feel that you're alone where you soit are? Soit Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Either God has not sent you there. Soit Dieu est avec toi. Either God is et with tu ne sais you, pas qu'il est là. And you don't know that he's si there. Là où tu es, Dieu t'a envoyé. If where you are, God à partir sent de cette nuit. Night, je réactive l'ange de l'Éternel à côté de toi. Amen. Je réactive la présence de Dieu. Il est avec toi. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. Il dit à Abraham. Told Abraham. Maintenant tu te dis pas. Now I tell you to go. Je te bénirai. I will bless je you. Rendrai ton nom grand. I will make your name tu great. Seras une source de bénédiction. You shall be a source of blessing. Et dès qu'Abraham a écouté ça. And when Abraham listened quand to Dieu that, l'a lui a parlé. And God appeared to him. Il a bâti l'autel. He built an altar. Pour sceller la parole de Dieu. To seal the word of God. Dans sa vie. In his life. Je finis en te disant ce soir, I end up by saying tonight, pour aller to go sur ta terre de bénédiction, on your promised land, Dieu doit te parler. God must Amen. Speak to you. Il a dit à Josué dans Josué chapitre 1, He told Joshua in Joshua chapter 1, mon serviteur Moïse est mort. My servant Moses is dead. Maintenant, now, lève-toi, stand, prends le peuple, take the people, traverse le Jourdain. Cross the Jordan. C'est Dieu qui dit à Josué. It's God that told Joshua. Sachant tous les combats qu'il y aura, knowing all the battles mais si Dieu face, t'a dit, if God has taught you, c'est ta place. It's your place. Si Dieu t'a dit, if God has taught you, c'est ton affaire. It's your business. C'est que c'est ton affaire. It means it's yours. Yes. Hébreux chapitre 11 dit, Hebrews chapter 12 says, à partir du verset 9, from verse 9, à partir du verset 8, lisons ça, on va prier. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Il est écrit. C'est par la foi qu'Abraham. Lors de sa vocation. Lors de son appel. Obéit et parti pour un lieu. Qu'il devait recevoir en héritage. Oui. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Quand Dieu t'a parlé. When God has spoken to le you, Saint-Esprit t'a confirmé. The Holy Spirit la confirmed. Parole a témoigné. The word testified. L'homme de Dieu a scellé. The man of God sealed. Il faut partir. You must yes. go. Tu peux partir parce que tu as le compte bancaire, l'argent finit en route. You can go because you have the bank ne vous en faites pas. Don't se lancer dans un business parce qu'on a l'argent est très grave. Il y a des milliardaires qui ont commencé un business et ça les a achevés. Donc pour ceux qui comptent sur l'argent pour faire les affaires, calmez-vous. Vous n'êtes pas les premiers à commencer les affaires parce que vous avez l'argent. Mais plusieurs ont fait ça actuellement, ils sont à terre. Les autres ont compris. Others understood. Avant de faire les affaires, ils vont consulter les crânes. Before doing business, they go and consult. Ils vont consulter les fétiches. They go and control fetishes. Mais je vous préviens que tout ça là, but I prevent, ça rattrape toujours. Comes again. Ils sont sages. They are wise. Parce qu'ils consultent les esprits. Because they consult mais les esprits spirits. Consultés vont réclamer. But the spirit that toi qui ne consultes pas les démons, you that don't consult demons, est-ce que tu consultes le Saint-Esprit? Do you consult the Holy Spirit?
Quand on allait en Israël, when we went to Israel, avant de faire quoi que ce soit, on allait voir le voyant. Before doing anything, we went to see the seer. Et une sœur qui a eu le travail il y a quelques jours. There's a sister that had a job few mais avant qu'elle ait le travail, le pasteur lui a dit clairement comment elle a le travail. Et le pasteur lui a vu comment est-ce qu'on devait lui donner un poste moins que son diplôme. Et il lui a dit qu'après ça, on va t'élever. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Combien parmi vous avez l'amabilité, l'humilité de venir voir le pasteur avant d'entreprendre quelque chose? How many among you come and see the pastor before starting anything? L'esprit d'indépendance. The spirit of independence. Je viens, je prie, je rentre chez moi. Je viens, je prie, je rentre chez moi. Dans ce que tu fais là, in what you do, tu ne sais pas qu'il y a un piège pour toi dans l'avenir. You don't know there is a trap for you in the future. Le temps que le pasteur pouvait te déceler le piège, démanteler le piège, tu es dans la distraction. Il dit à Josué, he told Joshua, vas-y, go. Par la foi Abraham, by faith Abraham, c'est par la foi qu'Abraham, oui, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. C'est par la foi. Dieu te parle numéro 1. God speaks to you, number one. Tu dois avoir la foi numéro 2. Number two, amen. You must have faith. Dieu te parle numéro 1. God speaks to you, tu dois croire en Dieu numéro 2. Number two, amen. You must believe in God. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Oui. Comme dans une terre étrangère. Oui. Habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Il habite encore sous les tentes, il n'est pas encore riche, mais par la foi, il croit que Dieu va faire. He's not yet rich, but by faith he believes God will do. Qui vous a dit qu'on commence la vie étant riche? Who told you we start life? Qui vous a dit qu'on commence forcément étant puissant? Who told you we start life? Qui vous a dit qu'on commence avec le milliard? Who told you we start with millions? Quand c'est ta terre promise, when it's your promised land, étant faible, while weak, tu écoutes la voix de Dieu, you listen to the tu as la foi of God, en Dieu, you have faith, ça va changer. Change. Mets-toi debout à prier. Yes. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche, toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Oh, toi seul, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme Amen. Église de Jésus, ce soir nous allons prier. Papa a dit tout à l'heure qu'on doit écouter Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs sorciers qui ont la capacité de venir boucher tes oreilles? Allez, on peut être assis comme ça, le message passe, tu as l'impression qu'il écoute, il n'entend rien. Allez, le coton mystique est dans ses oreilles. Allez, il regarde, il acclame, il dit amen, mais il n'écoute rien. Ce soir, nous allons allumer le feu. Que tout coton mystique qui nous empêche d'écouter Dieu, nous allons brûler ça. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Dis avec moi, Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout sorcier. Que tout sorcier. Que tout coton mystique. Que tout coton mystique. Qui a été utilisé dans mes oreilles. Qui a été utilisé dans mes oreilles. Pour que je n'entende pas la voix de Dieu. Pour que je n'entende pas la voix de J'allume Dieu. J'allume le feu ce soir. J'allume le feu. Pendant que je prie. Hey. En claquant les mains.
Allume le feu ce soir. Tout coton de sorcellerie. Tout coton mystique. Allume le feu. Qui a été utilisé pour t'empêcher d'écouter Dieu. Allume le feu. Pour t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Allume le feu. Allume le feu. Le feu. Pendant que tu pries. Yes. En claquant les mains. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Ça fait longtemps l'Éternel te parle. Mais tu n'entends rien. Ça fait longtemps l'Éternel te parle. Mais tu n'écoutes pas. Ça fait longtemps les hommes de Dieu te parlent. Mais tu n'écoutes pas. Parce qu'on a bouché tes oreilles. Pendant que tu pries ce soir, tes oreilles sont débouchées. Amen. Les oreilles spirituelles débouchées. Yes. Les oreilles physiques débouchées. Pendant que tu pries, en claquant les mains, en claquant les mains, en claquant les mains, je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux prier bien? Que ton entendement spirituel devienne aiguisé maintenant. Yes. Au nom de Jésus, amen. Amen. Écoute-moi. Pour que Dieu te parle même, il faut qu'il te connaisse. Yes. Est-ce que tu sais qu'il y a des actes que parfois tu as posés, ça a détourné le regard de Dieu? Il y a plusieurs personnes dans la Bible que Dieu a abandonnées, Dieu a rejetées. La Bible dit, Dieu dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté. Est-ce que tu sais que tes parents peuvent avoir posé un acte qui a fait en sorte que Dieu vous rejette, toi et toute ta famille? Toi-même, tu peux avoir une rancune dans ton cœur là. Dieu depuis te dit pardonne. Dieu te dit laisse la personne. Mais tu ne fais que t'entêter. Seigneur, elle m'a fait tellement du mal. Dieu a pris l'engagement de te rejeter. Ce soir, tu vas crier à l'Éternel. Yes. La Bible dit que Bartimée avait crié et Jésus s'est arrêté. Ce soir, tu vas crier à l'Éternel pour que l'Éternel jette un regard compatissant sur ta vie. Amen. Afin qu'il te parle. Yes. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Ce soir. Ce soir. Regarde-moi. Regarde-moi. Parle-moi. Parle-moi. Pendant que je prie. Pendant que je Seigneur, prie. J'ai envie que tu me parles. Yes. Seigneur, je veux que tu me regardes. Hey. Seigneur, je veux que tu me touches. Yes. Seigneur, je veux un message. Est-ce que tu peux prier? Yes. Demande à l'Éternel de te regarder. Moi. Il avait rejeté Saül. Il ne te rejettera pas ce soir. Il avait rejeté Saül. Il ne rejettera pas ta famille ce soir. Il avait rejeté Saül. Il ne rejettera pas tes enfants ce soir. Est-ce que tu peux parler à l'Éternel? Que l'Éternel te regarde. Que l'Éternel te regarde. D'un regard compatissant. D'un regard d'amour. Qu'il ne tourne pas sa face. Qu'il ne tourne pas sa tête. Yes. Mais qu'il te regarde pendant que tu pries, yes. En claquant les mains. Est-ce que tu peux prier bien? Yes. L'Éternel va entendre ta voix. La Bible dit, Agar avait crié, yes. L'Éternel a écouté les cris. Est-ce que tu peux crier ce soir? Est-ce que tu peux parler à l'Éternel afin qu'il jette un regard pour t'envoyer le secours? Est-ce que tu peux prier bien? Est-ce que tu peux prier fort? Est-ce que tu peux prier? Au nom de Jésus, amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour ce message. Ce message de bénédiction qui nous donne la capacité de posséder nos territoires. Yes. Père éternel, nous venons confesser qu'en cette saison, toutes nos terres de bénédiction redeviennent notre partage au nom de Jésus. Amen. Que partout où nous étions éloignés de l'endroit, du lieu, de la connexion que tu devais nous donner pour nous bénir. Seigneur, qu'à partir de ce soir, nous allions dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. Père, à partir de ce soir, scelle nos pieds sur cette terre de bénédiction afin que nous ne puissions plus jamais nous détourner au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu feras au-delà de notre prière. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus bien? Yes. Asseyons-nous.